jour particulier aujourd'hui. Ouais, tout à fait, c'est une journée spéciale. Tu as quelque chose à me montrer. Ouais, je vais te montrer la toute dernière. La dernière simplicité. Alors c'est la dernière simplicité. Finalement, après 12 ans, puisque la simplicité, je l'ai lancée en 2000, on arrive au bout des 200. Et ça, c'est la dernière qui reste ici à l'atelier, qui va être livrée très prochainement aux Philippines. Il y a une émotion là, Philippe, j'imagine. Ouais, c'était un... Je ne pourrais jamais y arriver. Eh ben, ça y est. Ouais. C'est un peu de la folie d'en faire autant, mais bon, voilà. Quand tu es parti, tu pensais en produire 200? Non, pas du tout. Au départ, c'était 100. Et puis, vu le succès qu'elle a rencontré, spécialement au Japon, en 2001 et 2002, les gens réclamaient, ils en voulaient, et puis j'ai dit, on refait une série de 100. Voilà, c'est comme ça que ça... Et elle a démarré, elle a bien démarré parce qu'elle a eu la médaille d'or de l'année au Japon en 2000. Qu'est-ce que tu portes là, Philippe? Alors là, c'est le diplôme, le certificat de la montre de l'année. Médaille d'or de l'année au Japon en 2000 pour la simplicité, donc le modèle 34 qui a été dessiné par le World Wristwatch. Et ça, ça a été vraiment le début du succès de la simplicité, cette reconnaissance au niveau du Japon. Et la preuve, c'est que sur 200 simplicités, 120 sont au Japon. Après 12 ans et cette 200e pièce livrée, tu ressens quoi? Un soulagement? Oui, je suis content d'arriver au bout. Parce que c'était long, jamais j'aurais pensé que c'était si long. Parce que bon, je pensais avoir plus d'aide que je n'ai eu. Mais disons que je crois que même les toutes dernières que j'ai mis en route, terminé et tout, j'avais nul plaisir pratiquement. Ouais, c'est ça, ouais. Jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Il n'y a pas eu de lassitude. Parce qu'aussi, on ne travaille pas en grande quantité, on travaille par ciment. Mm-hmm. Donc, il n'y a pas ce phénomène de lassitude. Il n'y a pas eu de découragement à un certain moment, parce que tu en avais pour beaucoup en commande et tu étais long. Un peu de découragement parce que ouais, comme je disais tout à l'heure, j'ai pas pu avoir l'aide que je l'espère. Ouais. Si j'avais eu une équipe qui fonctionne bien, ben le programme serait fini depuis quelques années. Ouais. Ouais. Et on n'a pas droit à l'erreur parce que, comme je dis toujours, je suis content de voir des macro-photos de mes mouvements sur les forums internet. Ça me fait plaisir parce que les gens ils ont compris ce qu'ils ont acheté, ils ont compris ma philosophie. Et donc ça c'est très réjouissant. Mais c'est usé à mes gars, j'ai dit voilà une photo qui est mise en exemple, mais la même photo avec un défaut, un coup de tournis à côté, une vis abîmée, elle publie la même chose. Donc on est tout petit, on peut être descendu très très rapidement. Donc on doit toujours s'auto-contrôler et se remettre en question. Se dire aujourd'hui on est là, demain on doit être là. C'est notre seule chance de survivre. Donc il y a ce niveau de qualité absolue qui est imposé. Voilà, donc qui est une pression pour l'horloger, c'est évident. Maintenant, est-ce que c'était difficile de travailler avec Philippe Dufour? Certainement, je n'ai pas un caractère facile. Ça c'est sûr, des fois des coups de gueule, mais c'est normal. Même après 12 ans de simplicité,
ma motivation n'a pas changé, j'ai toujours du plaisir dans ce que je fais. Puis j'ai énormément de plaisir à faire quelque chose qui fait plaisir aux autres. Et je suis ravi de savoir qu'il y a 200 personnes à travers le monde qui portent une simplicité, et puis qui l'ont choisie parce qu'elle était faite comme ça. Ouais. Celle-là, elle va partir. Elle est prête. Ouais, voilà. Elle part demain, après-demain. Voilà, voilà. C'est la toute dernière. Voilà. Et après-demain, tu fais quoi? Après-demain, ben, y a du travail. J'avais une ensemble qui est de commande déjà depuis bien des années. Et je me dois de la faire. Ouais. Donc j'ai pris ce travail-là. Et puis en parallèle, ben, je travaille sur un nouveau projet. J'ai déjà tout construit au niveau de l'ordinateur. Ouais. Et puis là, maintenant, il faut que je sorte plein de détails et puis commencer à faire des copeaux. Voilà. C'est Philippe qui tient la caméra parce que maintenant il n'a plus de simplicité à réaliser, alors il faut qu'il se recycle. Alors moi j'ai une chance extraordinaire, c'est que j'ai une simplicité, j'ai le prototype de la simplicité au poignet, ce qui est un immense plaisir, et qui est juste à côté là de la 200e simplicité et la dernière. Voilà, on voit les deux modèles. Et personnellement, j'ai un immense plaisir à avoir au poignet une simplicité. Merci Philippe.